11h15, l'heure de Studio Games avec vous, Fred Moulin. Bonjour Fred. Bonjour. Bonjour Fred. Et vous nous emmenez cette semaine sur les parquets de la Ligue de basket américaine. Les images sont époustouflantes. Ah ouais, c'est ça. Les fans de basketball et de sport en général sont ravis puisque débarque NBA 2K17. On y va, on plonge dans ce jeu incroyable. C'est le jeu vidéo le plus réaliste, le plus authentique quand on aime ce sport. Tout y est, les joueurs, les arbitres bien sûr, mais également tous ces petits détails qui font qu'on a l'impression d'assister à une retransmission télé. Le son déjà, voilà. Là, sur le montouche, on voit les remplaçants. Sous le panier, on a les photographes. On distingue même le monsieur là qui se tient pour éponger la sueur sur le parquet. Là, on a l'impression de voir une émission télé. Hein. C'est ça, voilà. De voir du vrai. C'est bourré de détails. Et on retrouve aussi, bien sûr, le show qu'il y a à la mi-temps, les mascottes. Et on a même l'équivalent de 20h foot avec la star de la NBA qui est. Donc, c'est pas Pascal Pro, mais. L'équivalent de Pascal, ouais. C'est Shaquille O'Neal en personne qui analyse avec toute son équipe les plus belles actions du match. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment comme à la télé. C'est vrai, et la gestuelle des joueurs, elle est impressionnante, hein, Fred. Effectivement, et pour mieux comprendre justement les techniques du studio pour réaliser un tel jeu, eh bien, on a eu la chance d'aller au studio en Californie, voir l'envers du décor. On a pu, vous voyez, assister à une séance de capture de mouvement où deux jeunes... Les coulisses de la fabrication. Voilà, deux jeunes stars du championnat NBA qui sont venus shooter quelques paniers pour que leur style soit capturé et ajouté à leur personnage dans le jeu. Et vous voyez, ils n'ont pas fait semblant. C'est vraiment le jeu parfait, Fred. Oui, quasiment, parce qu'en fait, parmi les 500 basketteurs de la NBA, eh bien, il y a un joueur qui pose problème, un joueur hors norme, j'ai envie de dire, c'est lui. Il s'appelle Stephen Curry. C'est un joueur qui a énormément progressé ces deux dernières années. Il est imprévisible, il est capable de shooter sans regarder le panier, il est capable de shooter du milieu de terrain en déséquilibre. Il est inimitable. Et comme les créateurs du jeu n'arrivaient pas à reproduire son style, eh bien, depuis l'année dernière, on dit que Steph Curry, il est plus fort que le jeu vidéo. Et c'est toujours le cas ? Alors, bah justement, le studio a énormément travaillé pour essayer de régler ce problème. Je vous propose de les écouter. Cette année, on a passé beaucoup de temps sur Steph Curry et je peux vous assurer qu'il sera en feu dans NBA 2017. Il sera capable de planter des 3 points entre 10 et 12 mètres. Il pourra même shooter depuis le logo. Je pense que maintenant, ça y est, le Steph Curry du jeu, il est comme le vrai. On espère juste qu'il ne va pas tourner à 60 points par match la saison prochaine, mais avec Kevin Durant dans cette équipe, tout peut arriver. Ah oui, et Fred, c'est tellement bien fait que Thierry Henry se met au basket. Effectivement, ça c'est un petit cadeau que le studio a fait aux joueurs. Alors, je vous rassure, Thierry Henry, il n'est pas dans une équipe, mais il est dans le jeu. On va pouvoir en fait l'avoir dans un mode où on peut juste shooter quelques balles comme ça en 1 contre 1. Et puis, comme c'est le meilleur ami de Tony Parker, eh bien, quand les Spurs joueront à domicile, il sera possible de l'apercevoir quelque part parmi les 20 000 téléspectateurs. Alors, je vous avoue qu'on a beaucoup cherché pour retrouver Thierry Henry, et regardez bien, si on zoome dans un coin, là, il est là, il est au milieu, Thierry Henry. Il ne lui manque que le popcorn. Ah oui, ils ne l'ont pas oublié. Merci beaucoup Fred. Si vous souhaitez en savoir plus justement sur ce jeu, eh bien, ne manquez pas le journal des jeux vidéo. C'est à minuit, c'est ça ? Dimanche soir sur Canal+. Dimanche soir, minuit sur Canal+. Vous parlerez également du jeu FIFA.